je tiens à vous remercier d'être présent en l'honneur de notre mère, de Fabien, qui est aujourd'hui récipiendaire de la Légion d'honneur, la plus haute distinction honorifique française. Elle récompense depuis 1802 les militaires et les civils ayant rendu des mérites éminents à la nation. Fabien est le benjamin d'une famille de 5 enfants et papa d'une fille, Élodie. Fils du résistant Eugène Thiémé, plus connu sous le nom du colonel Michel, et d'une maman qui ne s'est pas contentée d'être mère au foyer, mais qui a aussi eu une vie militante bien remplie. Mais qui honore-t-on aujourd'hui ? Le militant syndical, aimé et reconnu des ouvriers de son usine. Le militant politique, engagé pour une société plus juste et plus humaine. L'humaniste, sincère et serviable auprès de ceux qui ont le plus besoin de l'attention permanente et de la bienveillance de la société. L'élu qui a assumé et assume encore des responsabilités à tous les niveaux, national, régional, départemental. Le maire qui se bat chaque jour à travers toutes les tempêtes pour sa ville et ses habitants. Eh bien, ce soir, je voudrais dire que nous honorons un seul homme qui représente tout ça. Dans le très beau livre qui résumait son cheminement politique, de l'usine à l'Assemblée nationale, Gustave Ansart, un de nos maîtres, disait du communisme qu'il est à la fois la confiance dans l'homme et dans ses capacités de changer le monde. Il ajoutait « Le bonheur se situe dans une autre organisation supérieure de la société et qui donnerait une qualité toute nouvelle au rapport entre les hommes. » Et il concluait avec ces mots de Goethe « J'ai été un homme et cela signifie un combattant. Je salue avec vous tous le combattant que nous entourons aujourd'hui, notre ami et camarade Fabien Thiémé. » Député suppléant de Georges Bustin dans la 18e du Nord en 81, conseiller municipal de 83 à 89 à Fresnes-sur-Escaut, conseiller régional en 86, conseiller général en 88, député en 88, conseiller municipal, puis maire de Marly depuis 2008, vice-président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, chargé des sports, cela a été dit, de 2008 à 2014, et maintenant en charge de la prévention des inondations depuis 2014. Il y a quand même une inondation que tu ne maîtrises pas, mon cher Fabien. C'est le fait que tu inondes de ton empathie, de ta sympathie, tous ceux qui t'entourent. Je sais combien la défense de ta région, de ses habitants, et notamment leurs emplois dans l'industrie ferroviaire et sidérurgique, a structuré tes combats politiques. Il n'y avait pas de digue entre le combat syndical et le combat politique, ils étaient complémentaires. En tant qu'élu respecté, tu as contribué à faire avancer des projets dans l'intérêt général, que tu as porté haut et fort les valeurs républicaines, et peut-être plus que les valeurs républicaines, les valeurs humanistes que nous avons, je crois, en partage. Richelieu disait « L'art de la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. » Rendre possible ce qui est nécessaire. Eh bien, toute ta vie durant, et ce n'est pas encore terminé, mon cher Fabien, tu as voulu repérer le nécessaire et le rendre possible par ton combat politique, ton combat syndical, ton combat humaniste, ton combat pour les hommes et les femmes de ce Valenciennois, de cette région, de ce pays avec tes mandats nationaux. Aussi, mon cher Fabien, je suis très fier de te nommer, toi, la figure emblématique du département, au grade de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Merci à toi pour ton engagement. Monsieur Fabien Thiémé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
évident que cette médaille rejaillit sur nos populations, d'abord de Marly, du Valenciennois et du Nord, à travers notamment des territoires eh bien, sur lesquels je n'ai cessé, comme on dit, de me dépenser pour faire entendre la voix de la justice, la voix du bon sens, la voix de l'humain. Ils étaient communistes, gaullistes, chrétiens. Ils étaient des gens d'opinions diverses, ouvriers, ingénieurs, cadres, techniciens. Ils étaient enseignants, universitaires, gens de culture. Et ils se sont donné la main. Ils se sont levés dès les premières heures dans cette région comme dans l'ensemble du pays pour faire en sorte que notre pays puisse vivre libre et en paix. Le philosophe Maurice Blondel a écrit, je cite, « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Tous ensemble, avec espoir, enthousiasme, préparons-nous ainsi pour notre région et notre belle France un avenir radieux. Cette France magnifique, chantée par Jean Ferrat, unie face à l'adversité et riche de sa diversité. À chacune et chacun d'entre vous, en toute simplicité, je vous dis merci.